Aujourd'hui, le département du Doubs compte à peu près 12 100 foyers allocataires donc, du RSA. Nous avons aussi, en relation avec le monde économique, un nombre de postes à pourvoir dans l'ensemble des tissus et branches professionnelles, que ce soit les travaux publics, que ce soit aussi tout ce qui touche le bâtiment, tout ce qui touche la restauration, le service à la personne. Et tout ça réuni montre aujourd'hui qu'il nous faut mettre en corrélation vraiment les allocataires du RSA, le public aussi, le grand public, qui veut se réorienter professionnellement, et le monde économique aujourd'hui qui cherche pleinement à recruter. Donc c'est pour ça que le département s'engage dans ce deuxième salon des recruteurs, qui a été une forte réussite l'année dernière sur 2022, avec plus de 2500 personnes qui sont passées sur ce salon des recruteurs. Cette année, nous aurons 130 entreprises qui seront présentes, avec plus de 1000 offres à pourvoir. Donc c'est pour ça que le département s'engage, et c'est la mission qui est la mienne en tant que premier vice-président au département, donc à côté de Christine Bouquin, sur le retour à l'emploi et à l'insertion.